production. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment préparer une amorce pour pouvoir pêcher l'étanche. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une amorce ne peut pas sélectionner une seule espèce de poisson. Mais cette amorce, elle va tendre à sélectionner au maximum l'étanche. Mais si vous pêchez avec, vous pouvez prendre des brèmes, des gardons, des carpes, enfin toutes les espèces de poissons qui peuvent venir sur une amorce. Dans la composition de cette amorce, bien sûr, on va utiliser des produits très simples et une majorité de farine du commerce que vous pouvez trouver dans tous les magasins de pêche. Donc, comme d'habitude, les farines que j'emploie, c'est celles qui viennent de chez Lansen, donc un magasin de pêche en Belgique, puisque je pêche toute l'année avec ces farines-là qui sont vraiment au top de la fraîcheur. Et puis, j'ai quelques produits annexes qui, à mon avis, font la différence pour justement pouvoir sélectionner l'étanche. Alors cette amorce, elle est composée de 5 farines uniquement, mais par contre on va utiliser 2 produits liquides. Donc le premier, la mélasse, voilà un produit vraiment excellent pour l'étanche, donc de la mélasse liquide. Donc celle-là, c'est de la Champion Feed qui vient de chez Lansen. Ça va permettre de recoller, de sucrer et d'assombrir le mélange. Et ça, c'est vraiment super bon pour l'étanche. Donc ça, je le mets vraiment au tout dernier moment. Et l'autre produit que j'utilise systématiquement pour l'étanche, c'est l'Amino Booster chaîne vie pain d'épices. Donc ça, vraiment un truc excellent pour l'étanche. Préparation des pelées, préparation du tourteau de maïs. Voilà, c'est vraiment un amino qui est super tip-top pour la tanche. Donc ça, j'en ai vraiment tout le temps avec moi. Dès que je vais pêcher en étang ou en plan d'eau et où je sais qu'il y a des tanches. Alors, on va commencer. Donc, pour la préparation de cette amorce, je vais utiliser des doses d'un demi-litre. Après, vous pouvez utiliser plus gros, plus petit. Mais je ne vous donne pas par kilo parce que toutes les farines n'ont pas toutes la même densité ni le même poids. Donc, je préfère utiliser un demi-litre. Comme ça, normalement, ça devrait être clair pour tout le monde. Donc la première des choses pour cette amorce, c'est déjà de mettre à tremper du tourteau de maïs gros. Donc pourquoi du gros? Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus odorant. Et vu que je le mets à tremper plusieurs heures avant la pêche, ça ne me pose pas de souci. Une fois qu'il a bien trempé, voilà, il est comme une crème. Donc ça, c'est vraiment excellent. Donc je l'ai préparé ce matin. Vers 7h et je l'ai mis à tremper avec de l'Amino Booster chaîne vie pain d'épices. Voilà, c'est comme ça que j'utilise l'Amino Booster. Je ne le mets pas directement dans les farines, je le mets à tremper dans mon tourteau de maïs. C'est tout le temps ce que je fais quand je pêche au cou. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo que j'avais fait sur la préparation du tourteau de maïs. Seul l'Amino Booster change, mais la façon de faire le tourteau, c'est tout le temps la même chose. Donc le tourteau va me permettre de mouiller mon amorce. Donc la première farine que je vais utiliser, qui va être la base de mon amorce, ça va être bien sûr de la chapelure rousse. Donc là, je vais en mettre 2 volumes. Voilà, donc 2 volumes de chapelure rousse. Ensuite, je vais ajouter 1 volume de coco belge.
Donc au total, ça va me faire 2,5 litres d'amorce, ce qui est largement suffisant puisque demain matin, je vais pêcher au feeder uniquement la matinée. Donc j'ai pas besoin de préparer 10 litres d'amorce non plus. Voilà, donc deux parts de chapelure rousse ou chapelure brune. Un volume de coco belge. Ensuite, je vais amener donc une farine collante du PV1. Donc vraiment l'étanche en raffole. Et là, je vais mettre un volume de PV1. Après, je vais venir ajouter 1,5 litre de tourteau de maïs. Mais par contre, je l'ai mis à tremper ce matin. Donc, je rajouterai au dernier moment. Donc, la dernière farine, qui est vraiment celle qui est essentielle pour pêcher les tanches, c'est la farine de pain d'épices. Alors, vous trouvez donc de la farine de pain d'épices dans le commerce, dans les magasins de pêche. Mais moi, je préfère utiliser du vrai pain d'épices. Donc pour ça, j'achète du pain d'épices en grande surface. Donc ça, c'est le pain d'épices de Carrefour. Donc je prends le premier prix et je le passe dans mon Thermomix. Donc je le passe tout doucement pour garder une grosse granulométrie. Voilà, qui est vraiment des gros morceaux. Que ça soit quand même assez sélectif. Voilà, donc la farine de pain d'épices, c'est une farine très collante, très odorante, mais qui est vraiment super bonne pour les tanches et également pour les gros gardons. Donc là, pareil, je vais mettre 1,5 litre. Voilà, ça fait un peu comme une farine en granulé en fait. Donc je vais mélanger tout ça. Et pour finir, je vais mouiller avec mon tourteau de maïs que j'ai mis à tremper dans l'Amino Booster chaîne vie pain d'épices. Voilà, donc on va déjà mélanger les quatre premières farines sèches. Et ensuite, on va ajouter donc le tourteau de maïs. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, l'amorce commence à coller un petit peu, mais elle n'est pas suffisamment bien mouillée. Pour l'instant, j'ai pas mis d'eau, mais vous voyez, avec le tourteau de maïs, je peux pratiquement faire des boules. Donc ça pourrait éventuellement déjà pêcher. Mais ça demande un surmouillage par-dessus tout ça pour que l'amorce soit vraiment parfaite. Voilà, donc là j'ai terminé la première phase de l'amorce, c'est-à-dire que j'ai additionné mes 5 farines, mes 4 farines sèches et mon tourteau de maïs. Donc là je vais basculer dans une autre gamelle pour pouvoir vous montrer quand on met la mélasse. Donc malgré que ça soit des farines de granulométrie moyenne, comme le pain d'épices qui est quand même assez gros, hein, finalement une fois que c'est mouillé, ça fait une amorce assez fine. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, là ça colle déjà très très bien, mais ça manque quand même légèrement de mouillage. Donc la dernière opération sur cette amorce,
Ça va être donc de rajouter la mélasse liquide, qui est vraiment un produit super bien pour l'étanche. Donc la mélasse, ça va recoller le mélange, ça va le densifier, et puis ça va surtout assombrir un peu le mélange, et lui rajouter une petite touche sucrée qui est vraiment excellente pour l'étanche. Donc pour le dosage, ben, c'est un petit peu au pif. Bon, j'en rajoute par-dessus, après on voit, mais c'est pas facile de vous donner un dosage vraiment très précis. Voilà, donc là pour 2,5 litres d'amorce, j'ai mis à peu près 200 millilitres de mon flacon qui fait 1 litre. Voilà, donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que le mélange est vraiment beaucoup plus foncé qu'avant que je mette la mélasse. Bon, je vais le passer dans un seau, ça sera quand même plus simple pour le passer au batteur. Voilà, donc ça demande quand même de rajouter un peu d'eau. Et là, c'est parfait. Donc là, l'amorce est finie. Bien grasse, bien spongieuse. Vraiment parfaite pour pêcher l'étanche. Donc là, on va pouvoir descendre facilement l'amorce à la coupelle. On peut amorcer à la main, on peut pêcher au feeder avec. C'est vraiment tip top. Pile poil ce qu'il faut pour pêcher l'étanche. Voilà, ça fait une amorce qui est quand même bien collante. On fait des boules très facilement. Foncé. Juste ce qu'il faut pour pêcher l'étanche. Alors voilà, donc cette recette est terminée. Donc je vous refais un petit récap des produits. Donc deux parts de chapelure brune ou chapelure rousse. Une part de PV1, une part de coco belge ou de coco premium, un volume de tourteau de maïs gros et un volume de pain d'épices que vous passez au mixeur préalablement. Si vous n'avez pas de pain d'épices en magasin, vous pouvez acheter du pain d'épices donc de pêche, mais qui sera jamais aussi frais que celui-là. Et si jamais vous n'avez pas de pain d'épices en magasin de pêche, ou alors vous n'en trouvez pas en grande surface, vous pouvez prendre également de l'épicéine. Ça fera très bien l'affaire. Donc ne pas oublier de mouiller le tourteau de maïs avec l'amino booster chaîne vie pain d'épices. Ça, c'est vraiment hyper important. Une fois qu'on a mouillé nos 4 farines avec le tourteau de maïs trempé, donc on le fait tremper la veille éventuellement, on mélange tout ça et après donc on ajoute la mélasse liquide. Voilà, donc ça vraiment un produit exceptionnel pour la tanche et également pour les gros gardons et les brèmes. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube vous retrouverez une amorce maison pour pêcher les gardons, une amorce maison pour pêcher en surface qui s'appelle Explosive. Vous retrouverez également la recette du chènevier ébouillanté, la préparation du tourteau de maïs et la préparation également du couscous diabolique. Voilà, donc aujourd'hui c'est un petit complément sur la préparation des amorces, donc une spéciale tanche. Je vous l'avais promis depuis longtemps, mais j'avais pas reçu les farines, donc j'étais pas en mesure de vous faire quelque chose de correct, donc j'ai préféré attendre un peu.
Donc là, la tanche en ce moment, elle est en pleine bourre, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et puis j'espère que cette nouvelle recette d'amorce vous permettra de prendre plein plein de poissons. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais mettre ça au frigo. Et je vais essayer d'aller faire quelques tanches demain, malgré qu'ils annoncent la grosse pluie. On va voir si les poissons répondent à l'amorce. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo.